On trouve des cataglyphis au Maroc, du littoral jusqu'à 2800 mètres. Cataglyphis bicolore est installé au sud du Haut Atlas, à une altitude moyenne de 1000 mètres. Cette fourmi niche en milieu ouvert et plat. Il faut de la chaleur. Elle évite les rocailles, les cailloux. Les nids s'ouvrent toujours par un trou, jamais sous les pierres. Les ouvrières creusent profondément pour trouver la fraîcheur à 50-60 cm de profondeur. Les ouvrières fourragent seules jusqu'à 50 mètres du nid. Elles s'orientent en intégrant leur déplacement avec la course du soleil. Chez Cataglyphis bicolore, ce sont essentiellement les grandes ouvrières qui sortent. Elles recherchent les cadavres, surtout de fourmis, et parfois chassent. Mais les liquides sucrés, surtout au printemps, sont aussi appréciés. Les petites ouvrières restent au nid à s'occuper du couvain. Le pétiole est arrondi. Les ouvrières mesurent de 6 à 14 mm. Ses poils sur l'occiput sont blancs. Les sexuées émergent à l'issue des premières pontes à la sortie de l'hiver. Les colonies sont de 500 à 1000 ouvrières comme toutes les cataglyphis. La multiplication des colonies se fait par bouturage. Il n'y a pas de fondation avec une reine seule.